Salutations YouTube, on se retrouve pour la deuxième partie de cette ouverture sur Écarlate et Violet. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite vivement à aller la voir, je vous mets le lien en commentaire. Si tu aimes ce que tu vois sur cette chaîne, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Générique et c'est parti! Très bien, on repart avec 9 nouveaux boosters. Normalement, je sais compter. Allez, premier booster, et comme d'habitude, je vous mets les codes sur le côté. J'enlève la dernière carte parce que c'est l'énergie. Et en avant, on commence avec Riolu. Magneton, Gamblast, Toutombe, Rongrigou, Prismillion, dont j'aime beaucoup l'illustration, Briochien, Flotillon, en reverse, Polichombre, en reverse aussi. Et Trousselin en holographique. Bon, pas de dinguerie sur le premier booster, mais je sais pas, c'est étrange. J'ai fermé ma gueule pour une fois, hein, parce que d'habitude, dès que je l'ouvre un peu, j'ai que dalle. Mais là, j'ai rien dit, hein. Chochodil, Tropius, Pokéball, Motisma, Bandeau de défi, Gros Drive, ou Gros Drive pour certains qui le prononceraient comme ça, Faiblobol, Magneton en reverse, qui est vraiment pas mal, Trousselin cette fois-ci en reverse, et Motorizard, bah holographique. Après, c'est toujours sympa dans cette extension le fait qu'il y ait forcément au moins une holographique. C'est pas mon Pokémon préféré, mais écoutez, on prend. Peut-être un petit peu plus de chance sur ce troisième booster. On commence avec Olivini, Colossinge, Pomme, Tissamboule, Crocogrill, Grotad Morve, Florges, Musteflotte en reverse. Brutalibré en reverse également, rare aussi, et oh, Pomarmotte en holographique, elle est plutôt pas mal, j'aime bien l'illustration, je la trouve plutôt cool. Attendez, je vais essayer de vous faire le focus, regardez, il est choupi non? Ouais, je l'aime bien. Bon, les holographiques c'est sympa, mais là j'aimerais bien qu'on ait peut-être un petit peu plus de chance, non? Cradopo, Deden, Kirlia, Échange, Cacturne, Mésalédo, j'ai eu du mal à le prononcer celui-là, Scarino, Gourmelet en reverse, Faiblobol reverse également, et Craparoi. Donc toujours holographique, c'est un peu dommage. Là pour l'instant, c'est un peu la douche froide. Hein. Tarsal, Caninos, Polichombre, Compagnol, Famignol, Bandeau Vitalité, Salarsen, Meditica reverse, Menzi en reverse, et Palmaval en holographique. Comment ça pue cette histoire? Courage, il nous reste 4 boosters pour faire la différence. J'y crois. Gourmelet, Ramolos, Zapetrel, Mangriff, Hyperball, Cléopsytra, Pepper, Potion en reverse, Briochien en reverse. Oh, ok, pour le coup, je l'attendais pas. En fait, c'est tellement la douche froide depuis tout à l'heure que, hey, en vrai, il est pas mal, hein. Attendez, petit focus de caméra, s'il vous plaît. Please. En vrai, ça va, hein. Pas mon Pokémon préféré, mais petit EX, allez, hein. Au moins, on a eu un peu de réussite. On reprend avec Motisma, Registre Ami, Flabébé, Toxizap, Canarbello, Motorizard, Terra Cruel. Récupération d'énergie en reverse, Flingouste en reverse, je sais pas, genre, quand je vois son nom, genre Flingouste. Non, je sais pas, je rigole tout seul, en fait j'ai pas d'explication à donner, c'est juste ça me fait rire. Vrombotteur. Non, là par contre, là je commence à pas trouver ça drôle. Autant l'autre carte elle me faisait rire, autant là ça m'amuse moins. Ah, je vous cache pas que là il reste que 2 boosters. J'ai peur, hein. Ok, avant-dernier booster, on est avec Pimito, Potion, Mustéboué, Récupération d'énergie, Dogrino, Fagroin, Spiritomb, Juge en reverse, Jacques en reverse, Tombéro en holographique. Ça pue. Oh. Non, mais vous le sentez que c'est la douille là? Dernier booster, non mais là faut prier un maximum, hein. Là c'est plus possible, je peux pas accepter ça. Échange, Chochodil,
Tropius, Pokéball, Dolman, Pania, Charmina. Ok, Ferro-Singe en reverse. Recherche d'énergie en reverse. J'ai très peur, pitié, pitié. Recherche professorale. Les gars, je crois que c'est... Cette partie 2, c'est le pire fiasco qu'on ait jamais vu. Je crois que j'ai jamais eu aussi peu de réussite sur une de mes parties d'ouverture de cartes. Au final, il n'y avait que le petit Fragroin hein, qui bon, avait l'air un peu dégueulasse de prime abord, mais qui fait le café tout de même. En soi, je me dis, avec toute la chance qu'on a eue sur la première partie, c'est peut-être pas étonnant qu'au bout d'un moment ça arrive. Et je me dis, si là on n'a pas chopé grand-chose, la troisième partie et la quatrième partie ne présagent que du bon. Sur ces bonnes paroles, et pour camoufler le fait que j'ai le seum, pense à t'abonner à la chaîne, peut-être que ça me portera chance pour la prochaine fois. Des bisous, ciao!